BFM TV apporte en exclusivité des nouvelles de deux des six victimes de l'attaque au couteau d'Annecy, 2 mois après le drame au bord du célèbre lac. Il s'agit de deux jeunes cousins français, âgés de 2 ans et qui ont été touchés au thorax. L'attaque au couteau d'Annecy aurait pu tourner à la tragédie, mais le déroulement des événements aura permis une issue moins grave, tout en voyant émerger le courage humain face au pire, à savoir le fait de viser des enfants. 2 mois après les faits, BFM TV apporte des nouvelles des deux petits cousins qui avaient reçu plusieurs coups de couteau. Il s'agit d'Anio, âgé de 2 ans, et d'Alba, 2 ans et demi, qui se trouvaient dans leur poussette dans le parc du Paquier au bord du lac d'Annecy. Ils ont été poignardés au niveau du thorax par un homme et leur pronostic vital était engagé. Par la suite, ils ont été soignés au CHU de Grenoble. D'après BFM TV, l'état de santé de ces deux petites victimes françaises s'est nettement amélioré. Le petit garçon, Enyo, a pu quitter l'hôpital il y a plusieurs semaines maintenant. La petite fille, Alba, qui avait dû être réhospitalisée durant une dizaine de jours, est sortie il y a une dizaine de jours. Leur état nécessite toujours une surveillance, notamment pour la fillette qui a aussi été touchée au pancréas. Ils vont désormais devoir être suivis médicalement à long terme, et notamment en ce qui concerne le pancréas de la fillette. Ça reste pénible pour les enfants, un chemin de croix, précise sur la chaîne le pédopsychiatre Stéphane Clerget, qui rappelle que les jeunes enfants font souvent une amnésie traumatique qui pourra ressurgir plus tard. Les parents ont aussi besoin d'accompagnement psychologique après ce traumatisme, pour mieux aider également leurs propres enfants et ne pas transmettre leurs angoisses. La famille d'Alba et Enyo aspire en tout cas à la discrétion aujourd'hui. 6 victimes au total, il y a eu également comme victimes 2 autres enfants, une Britannique de 3 ans et un petit Néerlandais de 2 ans dans un état d'urgence absolu, mais qui avait pu rapidement sortir de l'hôpital. 2 hommes de 70 et 78 ans figuraient parmi les victimes. L'un avait pu rentrer chez lui le soir même de l'attaque, l'autre après quelques jours d'hospitalisation, rappelle BFM TV. L'assaillant, un réfugié syrien, était aux dernières nouvelles toujours incarcéré dans une unité psychiatrique près de Lyon. Il avait été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Légion d'honneur pour les héros, mais pas seulement Henri d'Anselme, 24 ans, qui s'est fait connaître comme l'homme au sac à dos lors de l'attaque au couteau à Annecy en juin, ainsi que 2 autres personnes intervenues lors du drame, Yassim Bounemoura et Georges Guerdenet, ont été distingués lors de la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet 2023. Par ailleurs et selon Le Parisien, CNU devrait proposer cet été une série de formats courts dans lesquels le fameux Henri d'Anselme, qui se trouvait à Annecy pour un pèlerinage à pied de 9 mois, fera découvrir un lieu de culte chaque semaine. La cathédrale de Besançon serait le premier édifice à l'honneur. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she